Et salut les amis, c'est Wolfegon et on se retrouve dans la forêt du crépuscule pour la deuxième chronique. Et je sais pas ce qui m'arrive, j'ai l'impression d'avoir des difficultés avec la vidéo. Alors je vais me mettre en mode normal pour que ça puisse être plus facile pour vous pour pouvoir regarder un petit peu ce nouvel environnement. Donc pardon, je me trouve. Et donc figurez-vous, j'étais en haut de mon arbre bien tranquillement, je veux redescendre et comme une bûche, je tombe par terre, je me splatche au sol. Et donc la personne qui m'avait demandé où est-ce que tu respawns quand tu meurs, eh ben je respawn dans la forêt. Voilà. Le problème c'est que je n'ai pas de lit et donc du coup j'ai respawné complètement ailleurs, je ne sais pas du tout où je suis. Je ne crois pas que ce... Enfin peut-être que c'était en haut de cet arbre, mais je suis pas sûr. Toujours est-il que je suis... proche d'une faille, donc peut-être que c'était celui-là, mais j'en suis absolument pas sûr. Et en fait, quand j'y pense, je me dis que non, en fait, ça devait pas être celui-là, parce qu'il n'y a pas de trou dans le tronc, et j'ai pas l'impression que je me sois fait une cabane ici. Bon bah du coup, retour à la case départ. En même temps, j'avais pas beaucoup avancé dans le premier épisode, donc là ça va être l'occasion de reprendre un petit peu cette aventure à zéro. Et je vais en profiter pour vous montrer une petite maison que... Alors c'est pas moi qui l'ai construite, c'est une maison de squelettes aborigènes, donc on va aller leur dire bonjour. Oula. Allez, alors par contre, ils sont pas d'un naturel très aimable. Donc voici les squelettes aborigènes. Bonjour. Donc il m'envoie quelque chose et je suis absolument insensible à ce qu'il m'envoie. C'est juste que ils ne sont pas contents que je sois là, donc vous voyez qu'on a un spawner ici exprès. C'est une petite maison que je ne vais pas investir, hein. Ce n'est pas mon choix. Ah mais il me poursuit en plus le bestiau là. Ah bah c'est parce que tu me frappes que je te frappe, hein. Sinon je te frapperai pas. Hein. Allez, mange. Allez, va-t-il me dropper quelque chose? Ah mais il meurt pas, eh. Ah si, il meurt. Hop, et en plus j'ai gagné de l'expérience, magnifique. Alors déjà je vais essayer de récolter un petit peu de nourriture parce que ce serait bien sympa si je pouvais survivre. Donc j'ai décidé de lancer l'épisode comme ça pour vraiment faire une aventure suivie. Donc le fait que je meure, voilà, ce n'est pas ça qui va m'empêcher de vous faire mon aventure, quoi. C'est... On va vraiment découvrir, je vais découvrir ce monde en même temps que vous, j'y tiens, donc c'est ce que je vais faire. Et pour ce qui est des objectifs, bah ça on verra ça un petit peu plus tard. Pour l'instant c'est vraiment de la survie, de la découverte. Il y a du cochon. Alors du coup en plus je me suis fait enfler de quelques diamants et tout ça, parce qu'il me semble que j'avais tout ça dans mon inventaire, donc oh là. Ah bah j'en connais un qui va pas me dropper sa côtelette. Ouya. Bon, ben on recommence. Un petit peu de bois, et puis je vais me faire un établi pour pouvoir tuer des animaux. Donc voilà ce que c'est de ne pas être prudent. On s'attaque immédiatement à la forêt. Donc, bah c'est bien sympa, hein, ces squelettes aborigènes, c'est une nouvelle créature que l'on a pu découvrir. Mais le seul problème, c'est qu'ils sont pas agressifs, c'est dommage, hein, ils peuvent pas taper. Bon, par contre, en ce qui concerne les mobs agressifs, je peux vous dire qu'on va en rencontrer une pétée, donc ne soyez pas trop impatients. Je peux vous dire que je vais mordre la poussière, mais allez, pas tout de suite, laissez-moi un petit peu de temps pour survivre quand même, ce serait bien sympa. Bon, il y avait un grand arbre, je pense que je vais essayer de m'installer dans ce grand arbre pour prendre un peu de hauteur. Voire même un peu trop de hauteur, si je pouvais... taper cette bestiole, ça m'arrangerait. Hop! Non. Oh, bah j'y arrive plus. Bon, tant pis. Je vais me nourrir uniquement de poulet, je pense. C'est bien parti pour. En tout cas, c'est le seul grand arbre que je trouve ici, donc à mon avis, je vais pouvoir m'installer là-bas. Attention, va-t-il réussir le saut de la mort? Ouais! Youp! Bon, en même temps, un saut de 2 ou 3 cubes, ça va, ça n'a jamais tué personne. Ah, par contre, attendez, il y a une deuxième. Alors, je vais essayer de manger un poulet. Mais pour ça, il va falloir quand même que je me pose mon établi, que j'aille miner un petit peu, parce que sinon, ça va pas trop être possible. Et là, il y a déjà de l'or, il y a déjà des bonnes choses, donc ça devrait pouvoir être facilement récupérable, je pense. Enfin, je l'espère. Donc des bâtonnets et déjà
Une pioche. Donc je suis désolé, hein, c'est un peu redondant par rapport au premier épisode, mais ce sont des choses qui arrivent. Et de toute façon, très bientôt, vous allez avoir la troisième chronique. Donc voilà. Au moins, je vous fais découvrir ce beau, enfin ce bel univers. Ce beau petit monde. Grand monde même, j'ai envie de dire. Et puis, il faut se faire cuire du chicken. Ça fait partie de la vie aussi. Hop. Allez, mon petit four. Et puis, je vais en profiter pour faire cuire mon poulet. Alors, je sais pas si ça marche. Bon, c'est un peu du gâchis, mais au moins, ça me rapportera quelques gigots supplémentaires. Bah non, alors je suis complètement bête parce que regardez-moi ça. Du charbon en fait, on en avait. Allez. Et puis je pense qu'on va très très bientôt se faire une colline creuse parce que des minéraux c'est bien, on en trouve ici, mais s'il n'y a pas de castagne, c'est pas intéressant. Donc bah écoutez, le premier objectif de la saison, ça va être de sortir vivant d'une colline creuse. Je ne sais pas si je vais pouvoir le remplir cet objectif. Y aller. Ok. Jusque-là, tout va bien. Rester vivant, c'est moins sûr. Parce que ces collines sont absolument... enfin, elles grouillent de monstres, quoi. Donc, ça va être un petit peu difficile pour moi de rester en vie, mais bon. Avec Wolfengirls, je me suis entraîné au combat. J'ai tellement envie de gagner des niveaux et d'enchanter mes objets que du coup je ne dors même plus la nuit. Voilà, je vais remplir. Ah bah regardez, j'ai mes 4 poulets rôtis, c'est magnifique. Et je vais pouvoir placer mon charbon qui ne sert absolument plus à rien, c'est fantastique. Au passage, je récupère quelques lumières. Voilà. Toi, tu vas mourir. Fallait pas te mettre en travers de ma route. Viens par ici. Au pied. Voilà. Des œufs. C'est bien aussi. Mon petit camp, hop, on va l'éclairer. Et puis, si je pouvais manger mon poulet rôti, ce serait bien sympa. Un bon petit poulet au citron. Ah oui. Ah, qu'est-ce que c'était bon. Je garde encore d'excellents souvenirs de ce restaurant londonien qui proposait des... Oh, regardez-moi ça! Alors, attendez. Donc, je termine ma phrase déjà, je parlais d'un restaurant londonien qui proposait un magnifique poulet au citron. C'était magnifique. L'un de mes meilleurs souvenirs de ce stage à Londres qui a duré 2 mois. Donc ça, c'était la parenthèse, je parle de ma vie. Et nous venons de trouver un labyrinthe. Et un labyrinthe, alors ça... Ça, c'est nickel de trouver un labyrinthe. Par contre, ce que je vais faire, de toute façon, je me ferai pas attaquer par des mobs. Ici, hein, la forêt du crépuscule, il n'y a pas de mobs, c'est un peu comme si c'était en Peaceful. Les mobs sont disponibles uniquement dans les collines creuses et puis dans les labyrinthes. Donc, enfin, il n'y a pas que là, mais je vais pas tout vous révéler. Ce qui est sûr, c'est que il y a des mobs, mais pas là où on les attend, c'est-à-dire dehors. Ils sont vraiment enfermés dans des lieux spécifiques et on va partir à leur rencontre. Ça promet d'être intéressant. Donc finalement, le premier objectif, ça va être de sortir vivant du labyrinthe. Bah écoutez, qu'est-ce que je vais pouvoir me faire? Parce que j'ai pas grand-chose finalement. Donc bah je vais y aller comme ça en freestyle. Par contre, si, je vais déjà me faire un coffre. Parce que si je repars sans rien. Enfin, si je me fais tuer, au moins, voilà, ça m'évitera de me faire de nouveau déposséder de mes biens. Je vais essayer de garder les poulets, quoique je vais essayer d'en garder un, quand même un, en réserve, on sait jamais. Et c'est parti, on y va pour l'exploration. Et puis à mon avis, je pense qu'il va y avoir pas mal de choses intéressantes. Un poulet. Ah, il y a déjà des araignées. Oh là là! Alors l'araignée, je n'entends plus parler d'elle. C'était une araignée violette. Une petite araignée. Donc on va rentrer là-dedans. Alors je ne sais pas du tout si j'ai des chances de m'en sortir. Oh là là, un spawner à loup méchant. Oh là là. Alors ça, je ne savais pas du tout que c'était possible. Et alors attendez, il y a une petite araignée. Ah bah ça va, elle tient pas beaucoup.
Voilà, elle meurt. Oh là là, mince, il y en a deux. Oh là 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 là. Oh, mais au secours! Ah là là! Ça y est, je suis en train de me faire attaquer sauvagement. Alors, les petites araignées meurent extrêmement vite, mais alors elles sont très nombreuses. Et ça va être assez difficile pour moi de continuer d'explorer cet univers si elles me sautent partout. Voilà, mourez. Ah, ah là là. C'est chaud, hein? Alors par contre, il y a de quoi faire le plein d'expériences. Hein. Moi, j'ai hâte que ce mode sorte en version 1.0 parce que on va pouvoir en profiter un max. J'ai des graines de citrouille, c'est magnifique. J'ai la rage de tuer des loups. Hein. Je vous le dis tout de suite, moi, je supporte pas de tuer des loups parce que d'entendre les bruits de chiens qui souffrent, ça me fait vraiment mal au cœur. Donc, je suis une petite nature, mais respectons les animaux, bordel. Oh, ça drop. Qu'est-ce que ça drop comme expérience, ça? Wow. Ah, mais. Eh, laissez-moi tranquille. Ah, mais non. Oh là là. Puis alors, elles font sacrément mal, hein. Purée. Je vais peut-être aller immédiatement placer. Alors, hop, saut de la mort. Ouais, je vais aller placer ce que je peux immédiatement dans mon coffre. Alors, par contre, il est à Perpetless Wall, machin. Donc, j'ai quand même gagné. Alors, ça, c'est très très sympa. J'ai gagné. Donc, un arc et des flèches. Donc je vais garder ça, j'ai également gagné des graines de citrouille. Donc ça va me permettre de prospérer, je pense, un petit peu mieux dans cette forêt. Donc pour éviter de tout perdre, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai droppé les outils, c'était pas ce que je voulais faire. Non, je vais quand même me garder un poulet, c'est plutôt... Mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça drop comme ça? Voilà. Allez, en avant, on y retourne parce qu'on est loin d'avoir fait le tour du propriétaire. Allez, en avant. Hop! Allez, yippie, là on s'arrête même pas. Là ça pop à fond les ballons. Alors, où est-ce qu'on est? Alors, j'ai essayé de jouer le jeu à fond et de ne pas détruire les buissons. Ce serait quand même ballot. Oula! Alors. Vite, 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 vite. Ah, elle me frappe même pas. C'est drôle ça. Elle m'a pas touché l'araignée. Elle était collée à moi. Ah, voilà. Bon, je vais pas rester là. Voilà, je l'ai vidée. Je ne vais pas les prendre avec moi, quoique j'aurais pu. Ah, voilà, je suis sorti du labyrinthe. Oui, mais est-ce qu'il n'y avait pas autre chose à visiter aussi? Telle est la question. Je devrais peut-être pas jouer. Je vais me brûler les doigts. Alors par contre, il y a... Ouais, je vais peut-être les laisser, ça fait partie du décor. Oh! Oh là, alors celle-là, elle est grosse par contre. Oh, ça, c'est une grosse araignée, ça. J'ai récupéré une golden apple. Magnifique. Donc ça c'est cool qu'il y ait des grosses araignées comme ça. Donc ce sont de grosses araignées vertes qui apparemment ont les mêmes caractéristiques que les grosses araignées du monde normal. Donc est-ce que c'est le cas? Je n'en sais pas, je n'en sais rien. Bon, ça n'a pas popé. Ah hop, il y avait une nouvelle entrée. Voilà, donc apparemment il y a 4 entrées, une de chaque côté. Alors, je ne sais pas combien de spawners il y a à l'intérieur de ce labyrinthe. Oups. Ah, mince. Tu me fais mal, toi? Ah oui, tu me fais mal. Excusez-moi, j'ai eu peur. Mais alors, par contre, vu tout ce qu'il drop comme expérience, à mon avis, je vais monter niveau 50 très très vite. C'est quoi ça? C'est la maison dans laquelle on était au départ? Oui, effectivement, c'était notre maison au départ. Bah écoutez, c'est plutôt sympa cette petite exploration. Alors, est-ce que je vais... Ouais, bon, alors, ça passe. Ça place plutôt bien. Bon, bah je suis pas sûr d'avoir tout exploré, mais pour l'instant, j'assure mes arrières. Donc là, bon, je cours, hein, tant pis. Je cours. Donc, mon coffre, mes affaires, elles sont toutes là. Enfin, derrière le buisson. Bon bah c'est intéressant hein, ce genre de labyrinthe comme ça, c'est nouveau. Alors hop. Hop, voilà. Oh regardez, un sanglier. Allez, viens, vas-y, à l'attaque.
Ouais, deux côtelettes, magnifique. Alors c'est, on a de la nourriture qu'on n'a pas l'habitude d'avoir dans Minecraft, hein. C'est cool, parce que les pommes, avant on n'en avait pas, maintenant on en a, c'est bien, on a même une pomme dorée. Et je vais même pouvoir faire cuire mes côtelettes, c'est quand même pas mal. Là, la survie s'organise plutôt bien. On a ça, on a également du cactus, on a des œufs, oh, on a quand même un attirail assez varié. Et on a même de quoi se faire des soupes de champignons, donc ça c'est pas mal du tout, je trouve. On a vraiment de la matière pour survivre. Et j'ai même de quoi me faire une canne à pêche. Regardez ça. Alors je sais plus combien. Je crois que c'est ça qu'il faut que je fasse. Alors je n'en suis pas sûr, hein. Non. Hop, hop, hop. Non, c'est pas ça du tout. Ah, en fait, non, c'est pas ça. Ah bah si, comme ça, voilà, c'était ça. Voilà, en fait j'avais le bon matos et en plus c'est magnifique, j'ai de quoi pêcher. Alors vais-je ramener un poisson? Vais-je ramener un poisson? Alors c'est toujours très long, hein. Si vous avez suivi les chroniques du néant, vous m'avez vu galérer comme pas possible pour obtenir du poisson dans le néant. Alors est-ce que je vais pouvoir obtenir du poisson dans une sorte... Oh yeah! Voilà, bah, la réponse, elle est là, oui. Je peux obtenir du poisson dans une sorte de petit bassin avec du sable. Oups, par contre, il faut que le flotteur reste au-dessus de l'eau. Hop là, yes! Bon, bah, ça va plutôt vite, c'est plutôt sympa, ça. Ça a l'air poissonneux. Ça a l'air poissonneux. Alors, ça va plus ou moins vite, hein, apparemment. Mais tout type de nourriture est bon à prendre, donc je vais pouvoir m'emparer de ces trois poissons et les garder avec moi. Et je pense que le problème de faim n'est pas, enfin, est résolu. Donc voilà, j'ai de quoi survivre pendant un certain temps. Donc c'est parfait, je vais pouvoir augmenter ma barre de vie parce qu'elle n'avait pas augmenté à cause de cette barre de faim qui ne se remplissait pas. Et voilà. Bon bah c'est cool. Hop, ma petite canne à pêche. Et j'ai déjà de quoi me remplir le sac à dos pour pouvoir partir à l'aventure. Donc cette fois je vais commencer quand même à investir les lieux. Alors si je pouvais monter tout en haut, ça m'arrangerait. Donc comme je sais que les arbres sont creux, à mon avis, il y a des chances pour que celui-ci le soit aussi. Poup, poup, poup. Alors, une hache, très important, la hache. Parce que j'ai pas envie de me casser les fesses à faire tout le temps les mêmes outils. Donc je vais m'en faire un une bonne fois pour toutes. Ça n'a absolument aucun sens ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Alors est-ce que cet arbre... Oui, l'arbre est creux, on va pouvoir monter tout en haut pour pouvoir observer les environs, et puis on se quittera là-dessus. Donc l'exploration de ce labyrinthe. Alors si ça se trouve, je n'ai pas complètement fini hein, l'exploration. Je ne sais absolument pas où se trouve le premier arbre que j'avais atteint. Mais c'est pas grave, on va essayer de monter. Hop, je casse. Qu'est-ce que ça nous donne ici? Ah, encore du bois, c'est toujours bon à prendre. Ouais. Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal, c'est cool. Je peux monter une nouvelle fois. Oh là là là, on va pas faire deux fois la même erreur. Ce serait dommage. Et donc cette fois-ci, il faut que je me mette en phare pour pouvoir y voir quelque chose. Donc le monde va se régénérer en phare. Et j'ai une vue sur le labyrinthe de haut. Donc ça, comme c'est pas fait exprès et que c'est complètement dans le jeu, je peux me permettre une observation. Et apparemment, il y a l'air d'y avoir plusieurs spawners. Donc si de ce côté-ci il y en a deux, il doit y en avoir un troisième. J'ai peut-être pas tout exploré. Faudrait y retourner. Faudrait y retourner. Mais je pense que bon, pour ce qui est des labyrinthes, doit pas y en avoir qu'un dans ce monde. Donc on en trouvera d'autres avec d'autres loots. Pour l'instant, j'ai mes graines de citrouille, donc je suis plutôt content. Je vais pouvoir me faire pousser des citrouilles.
Et puis, je pense que dans le prochain épisode, on se retrouvera pour explorer une caverne creuse. Donc voilà, une belle colline creuse qui regorge de précieux minerais. Allez, j'espère que cette chronique vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser du pouce vert, des commentaires et à mettre cette vidéo dans vos favoris, hein, ça fera toujours grandir ces chroniques et vous pourrez les partager avec les gens que vous appréciez, qui sont abonnés à votre chaîne, vos amis, votre famille, sur Facebook, faites-vous plaisir. Et on se retrouve tout bientôt. Ciao, ciao!